ça ne va pas du tout. On va vous expliquer pourquoi. Là, tout de suite, je suis avec Valentin, donc notre cousin qui va nous aider pendant toute cette journée. Parce que regardez, vous l'avez compris, on a perdu un de nos chats. C'est une catastrophe. Là, on a commencé à faire des affiches pour essayer de les mettre dans la rue. On va la distribuer à des gens, nos voisins, à des gens qui habitent pas loin, etc. Pour essayer de le retrouver au plus vite. Pourquoi on fait une vidéo? Parce que, à mon avis, on l'a pas juste perdu. Quelqu'un a dû rentrer chez nous pour nous le voler. Voilà, donc ce matin on s'est réveillé, la porte de notre maison était ouverte. Il manque aussi 2-3 affaires, donc on pense que c'est un voleur qui est rentré chez nous tout simplement. Et il a très probablement pris nos chats. Oui, je dis nos chats parce que on a perdu celui-là. Mais on a fait aussi une autre affiche comme ça avec notre chat noir. On a un autre chat qui est noir et on n'a aucune nouvelle. Est-ce qu'ils se sont enfuis par la porte en profitant des voleurs ou est-ce que c'est les voleurs carrément qui les ont pris? Enfin bref, là c'est une catastrophe. Lily Rose est déjà dans la rue en train d'aller les chercher. Peppa Pig. Ah, je l'ai retrouvé. Ah, le noir, le chat noir. Ah, ça va. Ah, ça va, on a de la chance. Pas pris. Oh là là là. Bon, déjà, on en a retrouvé un sur deux. Je vais le laisser. Il était où celui-là? Ben, il se baladait, il se cachait en fait. Je sais pas pourquoi il se cachait. Et j'avais l'impression qu'il avait peur. Ah, il avait peur. Ouais, à mon avis, il y a quelqu'un. À mon avis, il a tout vu. Ils ont vu. À mon avis, il a dû voir quand ils ont capturé son frère. Parce que oui, nos deux chats sont frère et sœur. Bon, par contre, ouais, regarde. Il essaie de se cacher. Il essaie de se cacher directement. Ça veut dire que cette nuit, il y a des gens qui ont dû les poursuivre, qui ont dû essayer de les attraper. Carrément. Bon, écoute, Peppa Pig, j'ai tout expliqué aux abonnés. Du coup, maintenant, on va prendre les affiches. Bon, toi, continue à chercher à côté de la maison. Nous, on va carrément aller dans la rue, on va distribuer ça et on va accrocher ça dans la rue. Ah ouais. Je vais le mettre dans ouais, un... Ouais, ouais. Surtout, protège ce chat. Bon, les amis, finalement, c'est moins pire, entre guillemets, que prévu. Parce qu'on a déjà retrouvé un chat. Maintenant, il va falloir retrouver le deuxième. J'espère que c'est pas les voleurs qui l'ont pris avec eux. Parce que si c'est ça, bah, on va devoir aller les récupérer quand même. C'est bon, on est dans la rue. Voilà, donc on a déjà donné les affiches à plusieurs personnes. Là, il nous en reste que deux. On en a aussi affiché un peu partout sur des murs, tout ça. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. On a laissé notre numéro de Monsieur. Ah bah tiens, il y a quelqu'un, on va lui demander. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Attends, tiens les affiches. Ouais. Vous avez vu ce chat par ouais. hasard? Est-ce que vous avez vu ce chat peut-être dans la rue Non, j'ai pas vu. Mais si, regardez ce chat, regardez-le bien. Comme ça, si vous le croisez, vous le reconnaîtrez peut-être. La valise, elle tremble. La valise? Non, elle tremble pas. Monsieur, non, j'ai pas monsieur vu vous allez bien? Monsieur? Ah, mais t'as vu sa valise? Bizarre. Sa valise, elle était en train de bouger comme ça. Il y avait quelque chose à l'intérieur, ouais, c'est sûr. Bon. Ça me paraît... Et en plus, t'as pas entendu là? Enfin, je sais pas. À l'intérieur de la valise, il y avait comme un bruit. Oui. Je pense qu'on l'entendra pas à la caméra, les amis. Vous l'entendrez pas parce que c'était vraiment très faible. Mais on entendait comme un. Quelque chose comme ça. Ça ressemblait pas à un chat, mais c'était trop bizarre. Ouais, un peu. Et sa tête, c'est bizarre, mais elle me dit quelque chose. Bon, franchement, là, de toute façon, il a pas voulu prendre l'affiche. Les amis, on va accrocher ça à 2-3 autres endroits dans la rue. Et on rentre chez nous. On va voir si Peppa Pig a trouvé quelque chose ou si, bah, ou si ça n'avance pas, quoi. En tout cas, j'espère que les gens à qui on a donné les papiers vont nous rappeler et auront trouvé quelque chose. C'est bon, ils ont rien vu. Malheureusement, ça n'avance pas, les amis. Là, ça fait 2 heures qu'on n'a pas tourné. On a cherché dans toute la maison. On a cherché dans toute la ville. Lily Rose est encore en train de chercher parce qu'elle est désespérée. Elle n'arrête pas de pleurer. Voilà, elle est extrêmement triste. Elle veut même pas apparaître dans la vidéo parce qu'elle est trop triste. Personne ne l'a vu, en français. Il nous reste encore des affiches et personne ne nous appelle. On a donné nos numéros de téléphone. Personne ne nous appelle. Personne veut nous aider à retrouver les chats. Enfin bref, on est désespérés. Enfin, le chat, parce qu'heureusement, le chat noir... va bien, on va l'emmener chez le vétérinaire tout à l'heure, mais apparemment ça va bien, il était juste dans la maison, il a réussi à échapper au voleur. Par contre, truc trop bizarre, la personne que vous avez vue juste avant, la personne âgée là, avec sa valise, elle est extrêmement étrange. Il y a un voisin qui nous a dit, parce qu'on est allé voir tous nos voisins, il y a un voisin qui nous a dit que hier soir, il l'avait vu rôder, il tournait autour de notre maison et il avait un paquet de croquettes dans les mains, hier soir. Voilà. Je pense que c'est lui qui aurait... Mais du coup, moi, je pense même qu'il avait une valise et que dans cette valise, il y avait probablement notre chat ou des croquettes ou des choses pour attirer nos chats. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui a vu nos vidéos sur YouTube et qui veut attraper nos chats, en fait, qui est jaloux des chats. Donc là, les amis... T'as entendu ou pas? Attends. Chut. Je sais pas si vous avez entendu à la caméra. Il y a une porte qui a claqué. Oh, non, t'inquiète pas. Regardez.
Là, le chat, il arrête pas de nous suivre parce qu'il a peur. Bah, il a peur, en fait. Hein, voilà. Donc, il sait que s'il se passe quelque chose, on va le protéger. Mais je sais pas si vous avez entendu à la caméra, mais il y a une porte qui a claqué. Je pense que vous l'avez pas entendu, parce qu'en plus, on était dehors. Il y a une porte qui a claqué en bas. C'est sûr. Ah, la lumière est allumée, là. Quelqu'un qui est rentré, c'est sûr. Regardez. La lumière est allumée ici. Peppa Pink, c'est toi ? Parce que normalement, Peppa Pink, là, il a cherché dans la maison, mais là, il est parti rejoindre Lily Rose dehors pour chercher avec elle. Il y a quelqu'un ? Esteban, la porte a été ouverte, elle vient de se fermer. Cette porte a claqué. Attendez, il y a forcément un truc, il y a forcément un truc là. Arrêtez ! Ouais, elle bouge. C'est qui ? Sortez de... Ah ! C'est lui ! C'est une blague ! Tenez ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous voulez Non mais qu'est-ce que... C'était vous depuis le début, j'en étais sûr ! Oui mais... Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous les rends, j'y ai. Ils sont trop insupportables ! Attends, stop. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Non, je m'en vais. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Bah, je ferme ma clé. Ouais, ferme ma clé. Là, on va appeler la police. Non, je vous les rends. Le chat, c'était moi. En fait, je voulais prendre vos chats, mais il est tellement insupportable. Je vous en ai vu partout. Le chat, il est ici. Non. Le chat, il est ici. On va vérifier ça. Non, il est parti maintenant. Valentin, ouvre la valise. Ah ben non, il n'est pas là. Bah non, vous mentez. Comme si on peut pas mettre un chat dans une valise, c'est interdit. Oh, c'est pas bien de faire ça, on peut pas faire ça. Maintenant vous allez nous dire. Alors non mais il comptait s'échapper comme ça. Bah oui. Non mais vous pensez vraiment qu'on allait croire que le chat était là? Bon, on sait que vous nous mentez. Quand on vous a croisé dans la rue tout à l'heure, vous étiez très suspect. On a entendu des miaulements à côté de vous. Et on a un voisin qui vous a vu hier avec des croquettes à côté de chez nous. Donc, est où le chat noir? Le chat noir, ah bah vous l'aurez pas. Oh, vous l'aurez pas. Est-ce que je peux le voir quand même? Non. Jamais. Non, vous avez vu comment il nous ment pour... Non. Alors ce qui va se passer. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Ce qui va se passer. Oh non. C'est que oui, on va sortir ensemble et vous allez nous montrer où est notre chat. Oui, d'accord. Regardez ce chat là. Ah, hein, on vous l'a montré tout à l'heure. Il est où ce chat? Vous le reverrez pas. Ah, on le reverra. Oh, non. Alors là, poursuis-le. Alors là, on va pas. Ah, regardez. Le pauvre. C'est lui qui a capturé ton frère hier. Ouais, c'est lui. Hein. Elle veut pas trop bouger. Bon, les amis, on va pas se laisser faire. C'est hors de question. Là, pour nos chats, franchement, on peut pas laisser faire ça. Écoutez, venez ici tout de suite. Venez. Qu'est-ce que vous voulez encore? On veut récupérer le chat. Non, vous l'aurez pas. Attends, oh, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Non. Il s'est enfui. Comment vous avez fait? Comment? Il était où? Le chat. Mais le chat, comment il a... Venez ici alors, vous êtes quelqu'un d'extrêmement bizarre. Venez ici tout de suite. Hop les amis, je vais le traîner comme ça. On va aller au sous-sol. Laissez-moi tranquille. Et on va s'expliquer comment le chat a pu réapparaître dans le patio comme ça. Vous l'avez vu les amis, d'un coup il est allé dehors, il est allé dans le jardin là, dans le patio. Et comme par hasard le chat est réapparu. Il était caché ou il était caché dans votre robe? Oui mais moi ce que je voulais c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai ramené l'autre chat parce que c'était son copain sûrement. Attends mais c'est une blague. Il va peut-être vouloir l'accompagner. Ce chat là il est pas sage du coup Non. Reviens avec moi. Il est pas sage du coup vous vouliez prendre l'autre chat? Reviens avec moi toi. Non, écoutez, il y aura rien de tout ça. Je vais en prendre grand soin. Non, c'est dehors tout de suite. Il est où le noir? Le chat noir, il est là. Il est là, regardez. Oh, le mignon. Non. Le chat noir. Vous ne pas ce chat-là à la place. Allez, dehors. Oh, bah écoutez, je reviendrai. Allez. Non, mais... Je peux l'avoir. Non, dehors. Comment il s'appelle? Allez, hop, dehors. Viens ici, petit chat noir. Regardez, je voulais prendre le chat noir. Le pauvre. Bon les amis, j'ai pas compris comment il a fait. Peut-être qu'il cachait notre chat dans sa longue robe. Je sais pas. J'ai cru qu'il allait re-rentrer. Bon là en tout cas, les chats maintenant, les prochaines nuits, on va les mettre dans notre chambre. Moi je vais le mettre dans ma chambre une nuit sur deux. Lily Rose va le mettre dans sa chambre une nuit sur deux. On va se partager la garde des chats comme ça on pourra les surveiller. Mais ça va aller dans nos chambres. C'est comme ça. Bon en tout cas, lui c'est un vrai méchant.
J'espère qu'il ne reviendra plus, qu'il ne volera... Eh oh je, on vous voit hein. J'ai des croquettes à la fraise, si vous non, voulez. Non, mais ils veulent pas de croquettes, ils ont tout ce qu'il faut ici. Oh, les petits chats. Ça reste quand même un mystère de comment il nous a rendu notre chat, on sait pas d'où il est sorti. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et surtout allez voir une autre de nos vidéos. Cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran, ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine, ciao.